seront suivis par les membres du gouvernement ici présents, ici, ainsi que de tous membres de la famille. Et après, nous allons demander l'autorisation. C'est ça que je te dis. Les cortèges. Et ben nous cortèges Yerodia, c'est d'abord, je peux dire, c'est un grand ami, puisque comme vous le savez, c'est la ville de Lubumbashi qui était tombée les premiers, la première avant Kinshasa, la ville de Lubumbashi était tombée, et nous étions encore, on venait à peine de terminer les études, on était curieux d'aller à l'hôtel Caravia, voir qui sont venus, avec le mouvement Afdel, tout ça, et on va rencontrer Papa Yerodia. On les rencontre, il nous a reçus de 22h à 2h du matin. On était à l'hôtel Caravia à côté de la piscine, il nous expliquait le bien fondé de leur révolution. J'étais pas seul, j'étais avec un ami qui est là, que vous voyez, M. Boli Lititu, un haut cadre à la DGDA. J'étais avec un ami aussi, Toussaint Lessé. J'étais avec un autre ami, aujourd'hui député provincial à l'Équateur, Roussard Baende. On a beaucoup échangé. Depuis lors, on est devenus des amis. On se fréquentait. Les gens étaient étonnés quand ils venaient à Lubumbashi. Ils nous cherchaient. On faisait route ensemble. Et puis, il fait un moment où il est venu s'installer à Kin. Nous avons connu Yerodia à Lubumbashi en 1997, quand l'Afdel est entré. Et quand il venait pour la première fois à Lubumbashi, c'était en février 98. Et à tout hasard, je faisais un petit tour à l'hôtel Caravia. Il y avait tout le gouvernement. J'ai eu le courage de l'aborder parce que je venais de terminer à l'université de Lubumbashi. Nous avions parlé. C'est alors qu'il me confia la mission de récolter le dossier de tout le monde qui avait terminé à la faculté de droit à l'époque. C'est comme ça que le premier concours de magistrat a été organisé à 98, à l'époque de Fémouzet. C'est le grand souvenir que je garde de ces messieurs. Vraiment, nous avons perdu un patriarche. Il ne nous connaissait pas, mais quand on a parlé, il a vu que ce que nous parlions était intéressant. Sans savoir si nous étions d'où, il nous a adoptés et nous avons cheminé. Voilà, c'est les grands souvenirs que nous avons. C'est quelqu'un que nous avons eu à côtoyer et nous avons réalisé qu'il n'aimait pas tout ce qui n'était pas juste. Vrai. Bon, comme lui-même l'a dit, il a dit toujours, il le disait souvent,
qu'il refusait la mort. Il refusait la mort sous toutes ses formes, que ce soit la forme spirituelle, que ce soit la forme physique, que ce soit toute autre forme de mort, il refusait. À sa famille politique, nous réitérons le même message de refuser la mort. Parce que dès que vous laissez la mort vous envahir, c'est eh bien, votre propre disparition. Donc il faut refuser la mort sous toute sa forme. Ça, c'est un message fort pour sa famille politique. Mesdames et messieurs les honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le vice-premier ministre de la famille du défunt, amis et connaissances, mesdames et messieurs, c'est avec émotion qu'avions-nous appris le jeudi 21 février 2019 la nouvelle de l'immense peuple congolais. Par sa personnalité, son talent, par l'autorité et le patriotisme avec lequel il anima entre les années 1999 et 2000 le ministère des Affaires étrangères, l'honorable sénateur et de la coopération internationale, pour recevoir de l'ensemble du personnel du ministère ses derniers hommages. Le protocole d'État. De sécurité de l'Organisation des Nations Unies par sa résolution 1234 du 9 avril 1999 de se retirer du territoire congolais qu'ils avaient. Le monde se souvient encore du discours de son Excellence Monsieur le Vice-Président Yerodi Abdoulaye Nobassi à la tribune de la 54e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, lequel est considéré à juste titre encore aujourd'hui comme le discours fondateur du processus de paix qui avait commencé avec la signature de l'accord de Lusaka du 10 juillet 1999. Ce discours fut l'un des plus mémorables prononcés du haut de la tribune des Nations Unies. Voilà la prouesse dont était capable Son Excellence Monsieur le Vice-Président Yerodi Abdoulaye Nobassi, non seulement de savoir, mais surtout de savoir dire, de connaître les choses et de savoir les nommer sans détour. L'année suivante, lors de la 55e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, le vice-président Yerodi Abdoulaye Nobassi a constaté qu'un an après sa demande de voir les agresseurs rentrer dans leur pays, la compréhension avait certes changé, mais le progrès sur le terrain n'était pas encore total. La demande du Congo de voir les forces de l'ONU se déployer à la frontière afin de mettre fin aux craintes d'un pays voisin
sur l'insécurité prétendue régnant à ses frontières avec la République démocratique du Congo est datée d'une marque indélébile et inoubliable. C'est la marque des hommes libres, ce dont le rayonnement transcende le prestige des fonctions. Vous partez physiquement, j'en suis convaincu, avoir ce corps inerte. Mais rassurez-vous que vous avez inoculé au sein de la classe politique l'idée de la constance et de l'amour de la patrie. Mesdames et messieurs, les honorables députés. Oui. Pour le régime.
Qui vient toujours à m'appelant Alaj. M'a jamais appelé à mon nom sauf Alaj. J'ai eu la chance encore une fois de travailler avec lui aux affaires étrangères, à la vice-présidence et dans toutes les circonstances particulières de la famille. J'ai été toujours à côté de lui avec ses propositions concrètes.
nous venons de perdre le peuple congolais, la République démocratique du Congo, l'homme qui a dit que ce pays a besoin des hommes et des femmes qui doivent travailler pour développer et protéger. Voilà, c'était une introduction à ce que nous disons en silence, en mettant une idée pieuse pour notre disparition. Le Père B, parti de tous les âges, le Père B, c'est le grand parti du peuple qui tenait à l'envoyer au Sénégal pour y rejoindre sa famille, de sa mère, qui n'hésitera guère au fond de les soustraire aux manœuvres de Somalie. Petit apprendra tôt à s'assumer, apprendra tôt à assumer. Autant Yerodia est une agglutination de deux noms sénégalais, à savoir Yero et Dia. Face à la foultitude d'Abdoulaye, de Yero et de Dia, le Tipon. Éducation à la belge chez les chétistes, puis éducation à la française au lycée. Fin 1953, à 20 ans, il débarque à Paris, où il embrasse la médecine et la philosophie. Chez les maîtres Sornicard, il ne peut mener à bon port ces deux navires alors qu'il était déjà en quatrième année et qu'il devrait entreprendre des stages. Il convient d'ailleurs de rappeler avec insistance, car nous avons souvent tendance à l'omettre et ou à l'oublier, en 1960. Mbuta Yerodia est parmi les universitaires congolais déjà diplômés. Mais comme il est à Paris et non à Bruxelles, il ne figure pas dans la comptabilité générale. Après ses études de philosophie, il ne renonce pas totalement à la médecine. Il y retourne par une voie latérale. Il s'intéresse à la psychanalyse et décide de fréquenter l'école pratique où l'éminent Jacques Lacan donnait son maître. Auprès de ses grands maîtres, je voulais dire, il rencontrera certes Julie, sa fille, mais surtout Gloria, sa secrétaire. Elle n'était ni française, ni belge, ni sénégalaise. Philosophe et psychanalyste, Yerodia connaissait les contradictions qui minaient les sociétés humaines et les hommes eux-mêmes. Yerodia avait étudié les maîtres de soupçon et les pratiquait de sa manière dans le nouveau contexte de la décolonisation. En effet, le patriarche avait assimilé Freud à la suite de Lacan. Il avait assimilé les arcanes de la dialectique marxiste et nous servent de guide et des références dans tout notre cheminement politique. Vous nous précédez dans le village des ancêtres, auprès de Kimpavita, auprès de Simon Kimbangu, auprès des patriarches, de Patrice Emery Lumumba, de Mzé Laurent Désiré Kabila et de tous les autres camarades. Patriarche Yerodia, nous aimerions, pour saluer votre parcours et rendre hommage à votre conception du monde et de la vie, nous réarmer de manière à pouvoir lever les poings. Levons tous les poings. Nous levons les poings pour nous déterminer pour la victoire dans la nouvelle compétition des députés sénatoriaux et des gouverneurs des provinces. Okay, adieu, patriarche. Adieu, patriarche.
que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Merci. Merci, merci. Merci, merci, madame secrétaire permanent. Démonstration et en prouver les résultats. Mais ce n'est pas le cas. Cette mort qui est devenue un ministère auquel chacun aspire. Un ministère auquel chacun de nous aspire. Nous y sommes candidats. Camarade Yerodia l'est devenu apôtre de cette mort. Qu'il repose en paix. Merci. Nous allons à présent inviter le camarade Jean Saka qui va nous conduire en ce qui concerne le dépôt de gerbes des frères tel que retenu afin que nous puissions donner aux autorités de la République le temps de recevoir la dépouille de notre camarade et de faire ce que la République les recommande. Oui. Camarade Jean Saka. Merci camarade Christophe. Nous allons au même moment déposer nos gerbes de fer et nous recueillir la première fois. Et donc, les temps jouent malheureusement contre nous. On va appeler. Papa. Camarade Mienzo, camarade Micheline, camarade Lukiana, camarade. Pour notre parti, le Pépervier, c'est un patriarche qui vient de s'en aller. Un compagnon de M. Laurent Désiré Kabila, un camarade qu'on peut considérer comme un modèle. Si pour lui, il n'y avait pas de grands militants, ni des cadres dans un parti, tout le monde était égal. Pour lui, un militant était un militant. C'est vraiment une grande perte. Politique et je dirais même pour notre pays. Et je pense que les jeunes vont le prendre pour modèle dans leur engagement politique. Un petit message juste avant de famille politique. Je crois que le patriarche Yerodia doit être considéré comme un monument, un modèle d'engagement politique. Les sentiments sont des sentiments de tristesse, mais Dieu, dans la Bible, il dit qu'il est donné à tout homme de vivre 70 ans, au plus vigoureux de vivre plus de 80 ans. Je crois que c'est une vie remplie. Le Congo, la gauche congolaise, vient de perdre deux grandes personnalités dans la semaine, le patriarche Antoine Gizenga et nous, tous au parti, nous venons de perdre au PPP, camarade Abdoulaye Yerodia. Oui, en ma qualité de député national, j'ai de grands souvenirs, beaucoup de souvenirs avec le patriarche Yerodia Abdoulaye Ngombati. Quand nous voyons d'abord son parcours, vous vous rendez compte que le pouvoir qu'on a au niveau du parti,
il a participé grandement à la conquête de ses pouvoirs.
Monsieur, c'est maintenant la cérémonie qui commence. Que... Bien encore, il s'agit au contact du Sénat par le médecin dans le service de le sénateur Abdoulaye Ndoumbassi et Ondia a attendu la fin de la législature pour les professeurs.
présente, je suis M. Zikon Kangalombo. Je suis président de l'ensemble pour Barombo. C'est une ASBL qui est chapeautée par l'honorable Roger Bimoala Mampouya, le recteur de l'université William Bott. Je me présente en tant que président de la jeunesse de la commune de Barombo. C'est un grand peur pour moi déjà, du point de vue du Bas-Congo. Je suis du Bas-Congo comme lui. Je me rappelle par le dur d'un grand écrivain qui disait qu'en Afrique noire, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brille. C'était Amadou Ampateba, je cite. Alors pour moi, me représenter dans ce beau cadre, ça me donne toujours envie de dire merci Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous voyons une bibliothèque qui est en train de brûler. Et Rodia, il est resté constant de par sa vision politique. Il est resté fidèle à l'idéologie de son mentor, à la personne, paix à son âme, de Kabila, le père Mouzé. Donc c'est par rapport à ça que je me représente ici. Donc ça nous donne toujours envie de percer dans la vie politique, c'est un peu ça. Je vous en prie.
ça discute, papa. Aucun discours, papa. C'est important. C'est ça, toi qui m'as fait chaud. Qui est rempli d'histoire politique, surtout de la RDC. C'est un homme que j'ai connu en 1998, quand il était en train de sensibiliser les Né-Congo en disant contre les rebelles en 1998, quand il disait au peuple Congo de ne pas donner de la nourriture aux rebelles, de ne pas donner de l'eau aux rebelles, c'est pour protéger notre Congo central qui était à l'époque attaqué par le rebelle. Et là, je me rappelle encore de ces mots qui disaient Kalurani Masako, Kalurani Madiako, Kalurani Kimako. Et c'est ces mots que j'ai retenu de cet homme. Je sais que c'est une bibliothèque politique qui est en train de partir, mais je dis qu'il ne nous laisse pas, mais il laisse son nom qui est rempli d'histoire, son nom qui est rempli de beaucoup de choses. Et nous autres, nous devons suivre cet exemple-là, parce que c'est un bel exemple qu'il a laissé pour nous les politiciens d'aujourd'hui, et surtout aussi pour nous les politiciens de demain. Voilà ce que je peux dire pour ce grand homme qui a été une grande bibliothèque pour nous. Et je crois que je vais continuer à m'en servir de cette bibliothèque, parce qu'il a laissé des exemples, il a laissé des expériences avec lesquelles nous devons méditer, nous devons vraiment nous inspirer. Voilà. Merci beaucoup. Muketu Baplay, Bekeme, Kouizabeto Bane Congo, rendre hommage à Tsuka, Naïna Fouanda, ta bibliothèque, il y a Nene, il y a Histoire, il y a RDC, RDC Kakafé, mais il y a Congo Central surtout. Le gouverneur du Maguima, le gouverneur du Kassai Oriental se prépare. Ouais.
En fait, c'était notre beau-frère, n'est-ce pas? Il était notre beau-frère. Il nous a laissé un souvenir d'un monsieur très serein, calme. Et puis il m'avait promis de passer me voir pour qu'on puisse parler de politique en long et en large. Parce que moi, j'ai fait la science politique à l'UCCM. Alors, j'avais besoin de son avis pour essayer un peu de bien évoluer dans ce domaine à main. Malheureusement, il est parti très tôt. Voilà. Pardon ? Mais c'est une impression. Oui, mes impressions sont meilleures parce que ici, je peux percevoir les gens qui lui étaient chers, n'est-ce pas ? Ceux qui lui portaient à cœur quand même ont eu un peu de temps pour venir le rendre leur dernier hommage. Merci. Bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons ici. Pourquoi votre présence ? Je suis ici à titre à deux qualités. D'abord comme membre de la famille Irodia et puis de deux comme membre du comité de gestion et régie des voies aériennes. Comme membre de la famille Irodia, c'est-à-dire quoi? Je ne suis pas né Congo. Mais le fait que mon oncle travaillait avec Irodia, il a recommandé mes neveux. Le moment que c'était difficile, ils étaient venus de Katanga et venus ici. Il les a recommandés, on les a pris en charge. Et ils étaient inscrits, ils sont diplômés, ils évoluent bien. Et à part ça, il avait son officier d'ordonnance, lequel nous partageons de bonnes relations depuis l'Allemagne, M. Otenga Baudelaire. Et un parent qui était proche aussi, le colonel Massangola, qui n'est plus de ses jours. Et Irodia, à chaque fois qu'il était ministre de l'éducation, il venait toujours nous rendre visite pour l'université de Kinshasa. Il nous apprenait beaucoup et sa façon de dire, sa façon de parler, en tout cas c'était un philosophe de grande envergure qu'on a perdu. Et à la mort de Mosé, il avait l'habitude de conduire les gens au mausolée. Il disait l'hôtel de la patrie. Nous avons les hôtels à l'église, mais ça c'était de la partie où on devait s'affirmer comme étant patriote et pour défendre la patrie. Donc c'est à ce titre-là que nous pouvons dire que Irodia est vraiment grand. Il n'est pas parti, il est parmi nous. Nous allons continuer à pérenniser. Il nous a aussi donné l'opportunité d'avoir les éléments sur quoi rédiger sur Mosée et de lui-même aussi. Et nous, membres de la Régie des voies aériennes, nous viendrons, nous sommes sous la délégation du professeur Bongeli, qui est professeur, qui va aussi assister, parce qu'il sera honoré, il aura un titre honoré sur Kaoussa. C'est à ce titre qu'on est là, nous partageons ses douleurs, mais il est venu parmi nous. C'est Madame Karine du PPRD, cadre du PPRD. Vraiment, pour moi, j'ai un regret pour notre cher patriarche qu'elle nous a quittés très tôt. Il était modèle pour nous. Il était un bon papa, un bon père de foyer. Surtout pour moi,
vraiment, il a laissé un trou. Il a laissé un trou pour moi. À chaque fois, quand je l'appelle, il m'avait dit seulement que passer demain à la Palais des Marbres à 9h30. Quand je passe là-bas, il m'avait demandé, Madame Karine, qu'est-ce qui ne va plus? Ah, Excellence, voilà, il est ici, il est ici. Donc, moi, je sais que tout ça, c'est un problème d'Ingenza. Vraiment, j'ai un regret total pour notre cher patriarche. Il nous a aidé plusieurs fois. Quand je pleure, il faut comprendre mon émotion. Il était modèle pour moi. Il était vraiment. Il a laissé un trou pour moi. Surtout pour moi, il a laissé un trou. Quel souvenir vous gardez de ces grands hommes? Bien, moi, premièrement, que je suis cadre du Parti Lumumbiste unifié du vénérable patriarche Antoine Gizenga, qui vient de nous quitter également. Et donc, Yerodia, c'est une grande famille, un combattant engagé dans la lutte pour l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité, l'unité de la République démocratique du Congo. Nous développons les mêmes valeurs comme Lumumbiste nationaliste. C'est également un grand militant, un grand combattant de la liberté qui vient de nous quitter. Et donc, la présence du Parti Lumumbiste unifié, c'est la présence d'un frère qui vient pleurer son frère, qui vient également de laisser la terre des hommes. Et par rapport à Antoine Gizenga, parce qu'ils ont été ensemble pendant longtemps, quel souvenir vous gardez aussi de ces grands messieurs? Antoine Gizenga est l'un des pères fondateurs de la République démocratique du Congo, qui est né le 30 juin 1960. Gizenga en est l'artisan, l'un des artisans principaux. Et donc c'est quelqu'un qui a une constance et des valeurs incommensurables. Quelqu'un qui a mis en place une théorie de la justice sociale quand il dit avec le Pelou, le Congo ne sera pas une forêt vierge où règne la jungle, où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux de pluie, mais le Congo deviendra un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Telle est la pensée nous léguée par le vénérable patriarche Antoine Gizenga que nous pleurons, au même moment, doublement que nous venons de perdre deux grandes figures de proue du courant lumumbiste nationaliste. Merci. Spécialement sur l'article 6, alinéa premier, considérant le mérite de l'intérêt, ses loyaux services rendus à la nation congolaise, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux. Or, article premier est admis à titre posthume dans l'ordre national et rôle national.
chancelier des ordres nationaux et chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait la Kinshasa le 26 février 2019. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce près de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est non pas dans la tristesse mais dans la joie que nous les laissons paisiblement voyager vers toi, sachant qu'un jour nous allons le rejoindre. Nous savons également que pendant qu'il est là-bas, il continuera l'œuvre que tu lui avais donnée sur cette terre, afin qu'il puisse prier pour nous, que nous puissions lui ressembler dans sa loyauté, dans sa détermination, dans sa fidélité, dans son humilité. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci pour ce cadeau que tu nous avais donné et que tu as repris. Nous t'avons ainsi prié afin que nous puissions progressivement nous libérer de cette douleur, de cette séparation. Nous t'avons ainsi prié dans le beau nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Chef de ma foi, quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit me joue. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant.
Ah, c'est bien.